Recrudescence des ventes aux enchères sur Internet. 5 millions de particuliers s'y adonnent. Il faut dire que ce phénomène peut devenir une source de revenus, comme ont pu le constater Servan Adron et David Cosset. Comme tout bon vendeur, Mathieu Mauchauffet fait la promotion du DVD qu'il veut vendre sur Internet. Depuis 2 ans, il revend ainsi une bonne partie des vidéos, CD, mais aussi livres dont il ne veut plus. Un commerce entre internautes qui, en France, a conquis 5 millions de particuliers. Pour la simple et bonne raison que j'avais plus de place chez moi et que je déteste faire du shopping, c'est intéressant puisque tout ce que je revends me permet d'acheter d'autres livres, d'autres DVD, de jouer à de nouveaux jeux vidéo. La plupart des articles vendus sont d'occasion, 40 à 60% moins chers que dans le commerce traditionnel. C'est au vendeur d'expédier l'article en recommandé. Le site par lequel se font les transactions prélève un pourcentage sur la vente de 2 à 15%. Le rôle spécifique de la société est véritablement d'être tiers de confiance entre les acheteurs et les vendeurs. Concrètement, on encaisse le montant de la transaction auprès des acheteurs, on bloque ce montant sur un compte séquestre et on ne reverse ce montant au vendeur que lorsque l'acheteur nous confirme la bonne réception du produit. Mais attention, quand ce type de transaction devient principale source de revenus, le particulier a tout intérêt à passer professionnel sous peine de redressement fiscal. Ce couple a choisi de créer sa propre société en 2004. Il vend des jeux vidéo d'occasion. Internet permet de tout vendre et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il est là le véritable enjeu. En moins d'un an, la fréquentation de ces sites dédiés au commerce entre internautes a augmenté de près de 60%.